L'objectif de l'étape 1, c'est d'identifier le défi. Le défi auquel on s'attaque. Qu'est-ce qu'un défi? Un défi, c'est une situation à problème qu'on observe, qui concerne des personnes, qui concerne un agencement d'un espace, un aménagement, et qui est à nos yeux problématique. On observe quelque chose qui est dérangeant, qui nous concerne et qu'on a envie de changer. Et là, puisqu'on parle de l'observation et qu'on parle de la meilleure compréhension, en fait, il s'agit tout simplement de faire le tour d'une question, donc d'un sujet qu'on aura choisi. Et comment on fait ce tour de question? Ben d'abord, l'idée, c'est d'observer. Donc, on a la première sous-étape de la partie identifier le problème. Et cette première sous-étape se passe par l'observation. Pour faire une observation, on a également des cartes d'observateur ou d'observation qui nous permettent de se mettre en posture d'enquêteur ou en posture d'anthropologue ou en posture d'ethnologue ou détective, où on va aller à l'extérieur ou dans notre quotidien, dans l'école, dans l'établissement, dans la cour, etc. Et on va essayer d'observer les situations qui nous dérangent le plus et de se mettre d'accord sur la situation qui, à nos yeux, la plus dérangeante et qu'on aimerait bien nous résoudre. Pas demander à quelqu'un d'autre de la résoudre, mais nous résoudre. Et dans ce sens-là, on essaie d'être le plus précis dans nos observations. Donc, on essaie de réellement ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe. Et ensuite, on note qui sont les personnes qui sont concernées par le problème. Quel est le problème que les personnes rencontrent et pourquoi nous, on a envie de les aider? Ce qui nous permet de formuler notre défi en une phrase, les personnes qui sont concernées, le problème qu'ils rencontrent, etc. Et ça nous permet également de choisir un sujet qui n'est pas tout à fait le problème qui est le nôtre. Donc, c'est-à-dire que c'est un sujet, certes, auquel nous aussi on peut être confronté, mais généralement, c'est pour les autres et avec les autres que nous faisons le projet. Donc, nous ne le faisons pas seulement pour nous, pour avoir une piscine à l'école, mais c'est pour pouvoir résoudre et améliorer le quotidien de tous les élèves, par exemple. Une fois on a choisi, ce qui est des fois un exercice périlleux, parce qu'il faut débattre pour savoir quel est le sujet le plus urgent à résoudre, celui qui nous motive le plus. Mais en tout cas, ça ne devrait pas être le problème qu'on a la plus la possibilité de résoudre. Ça ne devrait pas être quelque chose où on s'auto-limite. Une fois on a choisi, on passe à la phase d'enquête, donc c'est-à-dire qu'il s'agit maintenant de mieux comprendre le problème choisi. Et cette meilleure compréhension du problème choisi, on va le faire à travers des différentes phases, des différentes façons de faire une enquête, en choisissant une carte de recherche. C'est-à-dire, typiquement, on peut aller documenter, donc regarder la documentation sur Internet, faire des entretiens avec les personnes qui sont concernées, etc. L'idée, c'est tout simplement d'élargir notre perspective au-delà de nos propres stéréotypes, au-delà de nos propres préjugés que nous avons par rapport au sujet, et d'essayer de mieux le comprendre plutôt que du coup faire et réfléchir pour les gens, on va réfléchir avec eux. Et ensuite, ça va nous permettre de reformuler le vrai défi auquel on s'attaque. Donc, c'est-à-dire qu'on comprend déjà que nous avons le droit à reformuler les choses. Ce n'est pas le premier défi qu'on s'était posé qui est notre vrai défi. Ça peut être quelque chose qui se déplace légèrement parce qu'on a appris qu'en fait, le vrai problème des personnes sans abri, ce n'est pas qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'en réalité, peut-être, ils ont plein de choses à manger, mais c'est l'isolement dans lequel ils se trouvent. Et là où on peut déplacer le sujet, ou c'est par exemple l'information qu'ils n'ont pas sur le fait qu'il existe des distributions de nourriture. Donc tout ça nous permet de reformuler le vrai défi et finaliser cette étape 1. Pour prendre la décision collectivement, si jamais les élèves n'y arrivent pas, il est tout à fait possible d'organiser le vote, mais dans l'idéal, il faudrait les encourager à ce qu'ils se mettent d'accord par un consensus sur la base d'un certain nombre de critères. Par exemple, c'est quoi le défi qui nous motive le plus? C'est quoi le défi
qui est le plus urgent à résoudre? C'est quoi le défi qui est pour les personnes le plus dérangeant? Donc pour les personnes qu'on a envie d'aider. Et là, il faut qu'on se déplace, déplace de nos propres yeux et qu'on essaye de regarder à travers les yeux des autres. Et à la toute fin de l'étape 1, on fait un premier bilan, le bilan de l'étape tête-cœur-main qu'on partage et le bilan collectif. Le bilan collectif, il se passe avec les cartes, avec les cartes de bilan, où on partage sur notre vécu de cette étape. Et le bilan tête-cœur-main se passe sur une fiche individuelle où chaque élève peut renseigner ce qu'il a appris déjà dans cette étape, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il va pouvoir continuer à faire et qu'est-ce qu'il aurait aimé continuer à faire. L'intérêt de partager et de mutualiser ce type de bilan, c'est de permettre aux élèves, si jamais ils n'ont pas le temps ou le projet a rencontré des difficultés, c'est qu'ils se rendent compte que déjà dans la démarche, ils sont en train de réaliser un certain nombre d'apprentissages et qu'ils sont déjà en train d'avancer.